Le 75 s'appelle Nils George Allen. Alors, c'est en hommage à Nils George, qui est Nils George Allen. Personne ne sait qui est Nils George. Non, elle est finie. Alors, il nous est présenté ce Nils George Allen, porte Allen des Vannes, mais il nous est bien présenté par Clotilde de Monjou. Est un fils de Cocorico avec Bienvenue Allen par Network. Alors, c'est un Allen, mais ce n'est pas la souche Vannes historique, c'est une souche parodote. C'est ceux qui descendent d'une matrone de l'Angloire. Oui, de l'Anglo-Arabie devenue après arabe de supplément et aujourd'hui rentré dans le giron de la QVS, de la création du Kikouté QVS en 2008, correspondant aussi d'ailleurs à l'abaissement du minimum d'Anglo-Arabe, de sang arabe pour rentrer dans le giron de l'Anglo-Arabie, passé de 25 à 12 minutes. Bref, c'est la famille de Massac, le Connétable et de Moissac, également de Tour des Champs et Montréal. La grand-mère Nadou, très bonne, gagnant du Grand Cross de Fontainebleau. Oui. Nadou, la grand-mère, elle a gagné le Grand Cross de Fontainebleau. Alors, elle a longtemps couru, donc elle n'a pas beaucoup produit, mais sans bien produit, elle a fait deux produits. Okay. Le premier de la laine d'une Balco qui a gagné trois fois, et Bienvenue à laine elle-même, la mère ici qui est présente, qui a gagné. Dans le prix André Théron, souvenez-vous du commentateur de légende André Théron. Elle a gagné Argenton, et qu'est-ce qu'elle nous a donné en production? Pas des chiffres qu'on a exportés, donc voilà, on attend. Et parmi les chevaux de courir, il y a eu un très bon cheval, un Castel du Berlay, là, Jupiter Allen, qui a gagné de façon impressionnante en obstacle en Grande-Bretagne. En Angleterre. Voilà donc le frère de Jupiter Allen, par Cocorico, ici présent. Il est né le 13 mars.